cosa preciosa. Amen.
Seigneur des Seigneurs. Et son nom est Jésus. Seigneur, nous élevons ton nom ce matin. Tu es au-dessus de tout. Qui est comme toi, ô Éternel? Tu es magnifique en sainteté. Tu opères toujours des miracles. Ce matin, nous t'invitons, Seigneur, ce matin. Sois adoré, sois béni. Merci une fois encore au fils d'Azaph. Bien, nous allons poursuivre notre premier culte. Le moment est arrivé pour que nous puissions écouter la parole du Seigneur. Que tu
visiteurs, chacun d'entre nous se prépare pour recevoir ce message qui certainement nous fera du bien sur tous les plans. Nous allons inviter notre papa, Docteur Adade, pour la prédication. Disons merci au Seigneur pour sa vie. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes les bienvenus à ce culte. Et que toute la gloire soit donnée à notre Dieu. Qui nous a apporté la vie. Qui nous a donné la santé. Et qui a permis que nous ayons compté parmi les bienheureux ce jour. Vous êtes bénis. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Nous t'invitons à prendre le contrôle de ce moment d'écoute de ta parole. Que cette parole nous vivifie. Qu'elle nous transforme et que nous puissions porter ton image en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les bénéfices de l'obéissance à Dieu et à sa parole. Les bénéfices de l'obéissance à Dieu et à sa parole. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 28. Le texte même c'est du verset 1er au verset 16e, mais nous allons lire les trois premiers versets. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Nous faisons une deuxième lecture dans 1 Samuel. Au chapitre 15 et le verset 22. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'était Samuel Glober. Ah, nous me voyons ça au clé, à quoi d'avoir ça au dit à Yehoua ou Tododo Yehoua fait béa. Voilà, Tododo n'y a eu pour ça. Et nous, c'est Seigneur, à couper, ami. Amen. Écoutez cette petite histoire d'un vieux père avec ses deux enfants, son aîné et son cadet. Mia c'est pour me faire voir des plus via effet. Tu t'as plus souhaité pour nous tenir là. Le vieux père avait un ami. Pour me faire voir, Hollande le si. Cet ami avait une très belle fille, une fille sérieuse, une fille vertueuse. Eye Hollande y a nyonu vignon ville si. Eye de vignon vianye de vite tu béade.
Et cet ami a pris la décision de ne jamais donner cette fille en mariage à une autre personne, si ce n'est un fils de son ami, le vieux père. Alors, selon la coutume du milieu et de l'époque, l'aîné devait se marier avant le cadet. Et je crois que dans nos milieux, c'est ce qui se pratique jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais le vieux avait voulu donner cette fille en mariage à son cadet parce que celui-ci était soumis à lui et il était très obéissant et fidèle à lui. Papa, Titi, il y a deux bénins. Il avait amené la fille et il l'avait cachée dans une chambre de sa maison. Il est allé frapper à la porte de son fils aîné. Et il lui dit, mon fils, s'il te plaît, j'ai oublié ma pipe au champ. Va me chercher la pipe au champ sous la pluie. Le fils aîné a répondu depuis l'intérieur de la chambre. Papa, je suis déjà couché. Et toi, tu sais qu'il pleut aussi. Je ne pourrai pas sortir sous cette pluie pour aller te chercher la pipe. Le père de ce pas est allé frapper à la porte de son fils cadet. Mon fils, s'il te plaît, j'ai oublié ma pipe au champ. Veuille aller me la chercher. Le fils a répondu depuis l'intérieur de sa chambre. Papa, d'accord. Je viens. Et le fils cadet sorti sous la pluie. À la recherche de la pipe de son père. Et pendant que le fils cadet partit, le vieux père a pris la fille pour aller mettre dans la chambre de son fils cadet. Et quand le fils cadet est revenu avec la pipe, son vieux père l'a béni. Et lui a dit maintenant, va, rentre et couche-toi. Alors, pendant que le fils cadet rentrait dans sa chambre, il est allé rencontrer cette belle fille, ce joli cadeau. Et c'est ainsi que cette belle fille qui devait revenir de droit d'aînesse à son frère aîné, lui est revenue à lui, le fils cadet. À cause de l'obéissance du fils cadet, il est rentré dans une bénédiction qui n'était pas la sienne. Qu'est-ce que l'obéissance? Voyons-nous ici que le fils aîné qui avait ce droit s'en est défait en faveur de son frère cadet. Alors, qu'est-ce que l'obéissance? Obéir, c'est se soumettre et accomplir la volonté de quelqu'un. Dans notre société, on dit souvent, c'est l'enfant qui sait bien laver ses mains qui arrive à manger à la table des grands. Le mien peut du corps, mais wo blona bena devi ke nyasi kokolo aya yedunanu kula magao.
L'enfant qui sait bien laver ses mains. Devi kenya sikokoloa. C'est lui qui mange à la table des grands. Eya yeduna no kula megao. Pour le chrétien, na Christo toa. Le test suprême de la foi. Jose penu metoto gantoa. C'est l'obéissance à Dieu et à sa parole. Jose pe dodo po gantona jose toa eya nye tododo mau pakle penya la. Si tu es obéissant à Dieu, si tu es obéissant à la parole de Dieu, tu vas t'asseoir dans la cour entière. L'obéissance à Dieu et à sa parole conduit inévitablement à la bénédiction divine. Tu seras béni spirituellement. Tu seras béni matériellement. Tu seras béni physiquement. Et tu seras béni aussi financièrement. La Bible dit, dans le passage que nous venons de lire, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Il n'y a pas un endroit où tu vas rester et tu ne seras pas béni. Alors, la liste des bénédictions qui attendent les obéissants à la parole de Dieu est très longue. Nous ne pouvons pas vous donner une liste exhaustive. Néanmoins, nous allons essayer de vous tracer quelques-unes de ces bénédictions. Premièrement, tu auras la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dans Deutéronome 28 et le premier verset, la Bible nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il n'y a aucune nation sur la terre qui va te soumettre à ces lois si tu obéis à la voix de l'Éternel. Au contraire, Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Deuxièmement, si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras béni dans toutes tes entreprises. Dans le verset 3, le Deutéronome 28, le Mose pas balé à la Bible nous dit que tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de ton sol. Le fruit de tes troupeaux. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta ruche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Et le verset 8 nous dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il te bénira dans ce pays, le Togo. Il te bénira dans cette ville de Lomé que Dieu t'a donné de rester. Même si les gens sont en train de crier qu'il y a la crise, toi tu seras béni.
quand tu seras dans la ville de Lomé ici, et que tu obéis à Dieu, et que tu obéis à la voix de l'Éternel, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas béni. Tu seras béni dans la ville où Dieu t'a donné de vivre. La Bible continue en disant, au verset 11 du Deutéronome 28, l'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Ce n'est même pas encore fini. Au verset 12, Dieu continue. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et pour bénir ton travail, le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Si tu obéis à Dieu et que tu obéis à ses commandements, Dieu va bénir le travail de tes mains. Même si c'est de l'eau, tu es en train de vendre. Si c'est le sable, tu vends. Tu vas prospérer dans ça. Amen. Là où les gens ont échoué, tu réussiras. Là où les gens sont en train de crier, ça ne va pas. Tu iras toujours de l'avant. Rien ne peut t'arrêter. Si tu obéis, tu rentreras dans toutes ces bénédictions. Troisièmement, dans Deutéronome 28, versets 13 et 14, la Bible nous dit que l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, en haut, en haut et en haut. Amen. Et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, tu seras la tête et non la queue. Dans la société où tu vas te trouver, tu vas marquer la différence. Tu seras la tête et non la queue. Si tu fais quoi? Si tu obéis au commandement de l'Éternel. La bénédiction de Dieu attend tous ceux qui sont obéissants à Dieu et à ses commandements. Quatrième bénédiction, ta femme, ton mari et tes enfants seront bénis. Toute ta famille sera bénie. Deutéronome 28, verset 4 nous dit, le fruit de tes entrailles sera béni. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits, le fruit de tes entrailles. Tu vas enfanter jusqu'à... C'est toi-même qui vas arrêter même les enfantements. Hier, on souhaitait beaucoup d'enfants aux familles. Mais aujourd'hui, quand tu dis que Dieu te donne beaucoup d'enfants, on ne veut plus. Mais avant, à l'époque ancienne, avoir beaucoup d'enfants, c'est un signe de richesse. Sauf qu'aujourd'hui, les dons ont changé.
Mais avoir des enfants, c'est une grande bénédiction. Dieu te bénira avec des enfants soumis et obéissants. De beaux enfants, de belles filles, de bonne santé, qui feront ta fierté et qui seront différents parmi tous les enfants de la société. Cinquièmement, tu vaincras tes ennemis, quelle que soit leur puissance. Dans le verset 7 de Deutéronome 28, il est écrit: l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Nos ennemis sont tellement nombreux. On ne les connaît même pas parfois. Mais Dieu dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin. Mais ils s'enfuiront par cet autre chemin. Ils vont sortir contre toi par un seul chemin. Mais ils vont prendre la fuite par cette autre voie. Si tu obéis à Dieu et tu observes ses commandements, c'est très simple. L'Éternel combattra pour toi. Et toi, tu vas garder le silence seulement. Tu verras la rétribution du méchant. À partir du moment où tu es soumis à la voix de l'Éternel, tu dédies toute ta vie à Dieu. Tu dis: me voici. Fais de moi ce que tu voudras. Quand Dieu te dit: reste là-bas du matin jusqu'au soir, tu restes là-bas du matin jusqu'au soir, puisque c'est toi qui l'as dit, j'obéis sans réfléchir, tu verras que Dieu te donnera le succès sur tes ennemis. Tu vas les vaincre, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur puissance. Ils viendront sur toi par un seul chemin. Mais ils vont prendre la clé des champs par cette autre voie. C'est l'Éternel qui a parlé. Si tu obéis à Dieu et tu te soumets à sa parole, en sixième position, la bénédiction que tu auras, c'est que tu verras des miracles. La Bible nous dit que Pierre et Jean avaient pêché toute la nuit sans rien prendre. Et sur leur chemin, ils ont rencontré le Christ. Dans Luc, le chapitre 5, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, la Bible nous dit que lorsqu'il eut cessé de parler, lorsque le Seigneur Jésus eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Écoutez la réponse de Pierre. Pierre répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, pas sur la parole d'une autre personne, pas sur leur propre parole, pas sur leur propre intention, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et le verset 6 nous dit: l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Sur ta parole. Mais l'histoire nous fait comprendre que Pierre et ses compagnons, qui étaient des pêcheurs de profession, ont travaillé toute la nuit. Ceux qui sont des pêcheurs, ceux qui sont des pêcheurs de profession, ils savent que c'est dans la nuit qu'on a une abondante récoltes. Mais ils ont utilisé toutes leurs techniques. Ils ont utilisé tout leur savoir-faire
toutes leurs stratégies ont échoué. Mais ils ont rencontré quelqu'un. Celui qui est au-dessus de tous les hommes. Celui à qui Dieu a soumis toutes les puissances de ce monde. Celui devant qui tout genou fléchit. Celui que toute langue confesse. Celui-là leur a dit: jetez vos filets, avancez un peu en eau profonde et jetez vos filets. Pierre a voulu un peu argumenter. Mais finalement, il a dit: sur ta parole, si vous agissez selon la parole de Dieu, vous verrez des miracles dans votre vie. Amen. Là où il n'y a aucun indice, aucun signe de miracle, vous verrez des miracles dans votre vie. Amen. Contre toute attente, vous allez vivre des miracles de façon inopinée. Et votre situation va totalement changer. Quand Pierre a vu cela, il était tellement étonné. Il a dit au Seigneur de s'éloigner de lui. C'est-à-dire, il tremblait. Lorsque nous marchons dans les voies de l'Éternel et que Dieu nous surprend parfois, on a peur. Nous avons la crainte de ce Dieu-là. Nous tremblons devant lui. Frères et sœurs, septièmement, si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras guéri physiquement et aussi spirituellement. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, la guérison sera ton partage. Spirituellement, tu vas rencontrer la guérison de Dieu. Mais aussi physiquement, tu obtiendras la guérison. Il suffit que ce soit Dieu qui te dise de faire ceci. Naaman, le grand chef d'armée, était lépreux. Et cela le tracassait beaucoup. Lui, un grand général d'armée, un homme de rang supérieur, un homme respectueux, et un homme respecté, il est lépreux. Mais une petite servante de rien du tout, il dit: si tu peux aller en Israël rencontrer l'homme de Dieu, tu seras guéri. Quel exploit de cette jeune fille! Alors Naaman a quitté son pays, direction Israël, pour rencontrer le prophète. Et la Bible nous dit que le prophète n'est même pas sorti pour aller le rencontrer. Mais Élisée a fait dire par ses serviteurs à Naaman: va te laver dans le Jourdain sept fois et tu seras guéri. Parle-t-on à un général comme ça? Naaman se faisait des idées: quand je vais venir, cet homme va venir me rencontrer, on aura un entretien, et puis il va prier pour moi en m'imposant certainement les mains ou bien pas, et je serai guéri. Mais il lui a dit: Naaman, va aller lui dire. Naaman, allez dire à mon général. Allez dire à mon général. Va te laver, va te
plongé dans le Jourdain. Cette fois. Il n'avait le chile Jordan messiatré. Pour Naaman. Nanaimana. Le grand général. Apafiagan. C'est un manque de respect. Mais heureusement qu'il avait des serviteurs qui lui donnaient de très bons conseils. Mais dans mon pays, il y a des fleuves mieux que le Jourdain quand même. Mais ses serviteurs lui ont dit. Voyez pas souvent la Bible. Si ce prophète disait quelque chose de plus difficile, tu ne vas pas le faire. Fais ça et tu verras. Alors Naaman a changé de mentalité en même temps. Il s'est rendu au Jourdain. Il s'y est plongé une fois. Rien ne s'est passé. Deux fois, jusqu'à la sixième fois, aucun résultat. Mais la septième fois, praise the Lord, alléluia. La septième fois, selon la parole de l'Éternel prononcée par la bouche du prophète, quand il s'est plongé dans le Jourdain, la Bible nous dit qu'il est sorti purifié. En un instant, sa peau est devenue comme la peau d'un nouveau-né. Il est guéri totalement. Frères et sœurs, Dieu est lié à sa parole. Ce livre-là que vous voyez, Dieu est dedans. C'est Dieu lui-même. Dieu et sa parole, les deux sont liés intimement. Et quand Dieu parle par ses prophètes, quand Dieu parle par ses élus, quand Dieu parle par les hommes qu'il a établis, ses oints, et que vous suivez les paroles que ses oints prononcent, vous allez vivre les miracles dans votre vie. Vous allez vivre la guérison dans votre vie. Vous allez rencontrer le bonheur sur votre chemin. Que cela soit votre portion ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans la vie de quelqu'un ce matin. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans la vie de quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Huitièmement, et c'est l'avant-dernier, tu deviens ami de Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu deviens ami de Dieu. Et tu deviens une source de bénédiction pour d'autres personnes. C'est ce que nous avons vu dans la vie d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, Isaac. Sacrifie-le pour moi sur la montagne, le lieu, je vais t'indiquer. La Bible nous dit que quand Abraham a entendu cette parole, il se leva de bon matin. Il n'a pas hésité. Pourtant, c'est Isaac qui est le fils de la promesse. Mais Dieu lui dit d'aller tuer cet enfant en sacrifice pour lui. Il n'a pas besoin de réfléchir. Dieu lui-même sait comment il va régler ce problème de progéniture. Abraham n'a pas argumenté avec Dieu. Dieu, est-ce que tu réfléchis un peu? Tu m'as donné un seul fils. Et tu as dit que par moi, les habitants de la terre seront bénis. Et tu me dis encore d'aller le sacrifier? Tu réfléchis quand même? Abraham n'a pas argumenté comme ça. Abraham, il s'est levé. Il a pris son fils Isaac. Il a pris un serviteur. Il a fabriqué des bois. Il a pris son épée. Direction le lieu où Dieu lui a indiqué. Et la Bible nous dit qu'il a fait tout. Et au moment où il a pris l'épée pour tuer son enfant, écoutez ce que Dieu a dit.
L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit, je le jure par moi-même, par la parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Puisque tu n'as pas refusé ton fils unique. Tu as accepté de le sacrifier. Puisque tu as réussi à ce test d'obéissance, je vais te bénir. Et par toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Et nous aussi, nous sommes les bénéficiaires de la bénédiction d'Abraham. Tu es fils d'Abraham, tu es fille d'Abraham. Abraham vingutu, Abraham vignon wenenye. Et je termine en disant que si tu obéis à la voix de l'Éternel, la bénédiction qui surpasse toutes les bénédictions, tu l'auras. La vie éternelle. Le paradis, tu y entreras. C'est là la finalité de tout. Dieu dit dans Apocalypse 22, verset 7, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Si tu obéis à la prophétie qui se trouve dans ce livre, la Bible, tu seras heureux, tu auras la vie éternelle. En conclusion, Saint Vincent de Paul a dit, l'obéissance est une pierre philosophale qui change en or tout ce qu'elle touche. Je répète, l'obéissance est une pierre philosophale qui change en or tout ce qu'elle touche. Quand vous êtes obéissant, votre obéissance va changer votre destinée. Ça va changer les pierres en or. Votre vie va briller. Plus que même les étoiles du ciel. Que la bénédiction de Dieu soit la portion de chacun de vous ce matin. Et ma prière est que nous soyons tous soumis à Dieu, obéissant à lui. Quoi qu'il arrive, même si c'est la mort, nous passons de la mort physique à la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Quelle est ta position ce matin avec Dieu? Alors, si tu obéis déjà à Dieu et à sa parole, je t'encourage à ne pas t'arrêter. Continue. Le bonheur va te tendre la main. La bénédiction va t'ouvrir ses portes. Les bénédictions de toutes sortes. Mais si tu désobéis à Dieu et à sa parole, repens-toi ce matin.
reviens à de meilleurs sentiments et prends la décision ferme ce jour de reprendre le chemin de l'obéissance. Et le Seigneur t'accueillera favorablement. Soumets-toi à lui et à sa parole. Là où tu as failli, n'hésite pas de lui parler. Il est un Dieu compatissant. Il est un Dieu tout, un Dieu tendre. Et il va venir à ton secours. Et tu vas reprendre le chemin de l'obéissance. Si tu es déjà sur ce chemin, demande la force de Dieu. Demande la force du Saint-Esprit. Demande la force auprès du Christ. Tu peux demeurer fidèle dans l'obéissance. Obéir. Obéir jusqu'à la mort. Et être fidèle à Dieu jusqu'à la mort. Sans faillir en rien. Ne pas se détourner ni à gauche ni à droite. Mais marcher fidèlement avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, parce que ta parole est toujours la lumière, c'est elle qui nous éclaire. Ta parole nous a montré encore ce matin le chemin de la bénédiction. C'est le fait d'être obéissant à toi et à ta parole. Que cette parole trouve un écho favorable dans le cœur de tes serviteurs, de tes servantes. Je me confie moi-même également à toi. Que cette parole puisse trouver sa place dans mon cœur, dans le cœur des frères et des sœurs, et que nous soyons transformés, et que nous soyons la tête et non la queue. Fais de tes enfants la tête et non la queue, qu'ils aient la supériorité sur toutes les nations, et que tu chasses devant eux leurs ennemis, qu'ils viennent par un seul chemin, qu'ils s'en aillent par cet autre chemin, au nom de Jésus-Christ. Que cela soit leur partage, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen.